Alors, les cycloposteurs, c'est quoi? C'est trois personnes de l'Orléanais qui se sont retrouvées autour de valeurs communes sur l'économie sociale et solidaire, avec l'envie de monter un projet concret pour agir pour l'environnement. On s'est retrouvés sur deux axes de travail, qui étaient le vélo pour la mobilité et les biodéchets. Pourquoi les biodéchets? Parce que la poubelle de l'Orléanais est constituée pour moitié de biodéchets, donc qui sont considérés comme quelque chose qu'il faut enfouir ou incinérer pour l'instant, et que nous, on considère comme une ressource. Comment valoriser cette ressource? On collecte les biodéchets auprès des professionnels. Donc pour l'instant, nous, on cible les restaurateurs, les métiers de bouche, les fleuristes, les supérettes et aussi l'événementiel, dans un futur qu'on espère proche. On cible aussi les particuliers par le biais de bornes d'apport volontaire. On collecte ces biodéchets, on les emporte en vélo, sur un site de compostage de proximité, où on les valorise donc avec des apports de matière, de broyat, etc., en compost au bout d'une dizaine de mois à un an. Ce compost-là, une fois qu'il est bien mûr, on le redistribue à nos adhérents ou aussi aux maraîchers de l'agglomération pour que ça serve à enrichir les sols locaux. Ces maraîchers-là vont produire des fruits et des légumes qu'on souhaite aussi réapprovisionner et faire repartir dans la boucle auprès des restaurateurs qui seront membres de notre projet. Et la boucle est bouclée. Actuellement, donc, notre projet il a une petite année de vie. On a lancé un certain nombre d'actions assez ponctuelles pour l'instant et on a envie de passer à la vitesse supérieure pour pouvoir acquérir du matériel de professionnel, parce qu'actuellement on est sur des vélos perso. Et nos petits mollets nous remercieront quand on aura des vélos cargo électriques pour acheminer beaucoup plus facilement les biodéchets. Et on aura aussi une remorque, ce qui permettra de collecter davantage encore de matière. Sur la plateforme Effervescence, là, on a demandé 7500 euros. Ces 7500 euros, ils vont servir à acheter le premier vélo cargo électrique et puis du coup une remorque qui va nous permettre de transporter des palettes. Alors l'accompagnement en fait a été très intéressant. En fait, on a été prévenu assez tardivement de la mise en route et de ces trois jours de formation. On s'est adapté et c'est vrai que du coup ça a été très riche à plein de niveaux. Au niveau de la technique, comment se monte une campagne de financement, il y a un certain nombre de prérequis et le fait d'être accompagné par des personnes qui en ont déjà mené, c'était bien. Mais les projets qu'on a rencontrés là, les autres projets qui étaient avec nous, c'était vraiment très intéressant aussi de voir où ils en étaient, eux, et ça sur cette journée-là aussi, on a pu un peu plus se rencontrer, ça donne envie encore de garder le